Radio Public Africaine. Radio Public Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, dans cette édition du 24 juin 2021. Nous allons vous parler de la volonté de l'Union européenne de réchauffer les relations avec le Burundi. Vous allez suivre l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi au cours de ce journal. La résolution des disparités salariales prend beaucoup de temps. Les enseignants s'impatientent, ils ont appelé les journalistes aujourd'hui pour en parler. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous dressons le bilan santé d'une année de présidence d'Evariste Ndayishimiye. C'est à la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi la RPA. Un homme a été tué par balle la nuit dernière, un autre est blessé sur la colline Mujigo, commune Wuyengero de la province Rumonge. Ce sont des voleurs qui auraient tiré sur ces deux personnes. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Le drame a eu lieu vers 20h. Les victimes sont prénommées Janvier et Polycarte. Ils habitent tous sur la colline Mujigo, commune Wuyengero. Ils rentraient quand ils ont rencontré des malfaiteurs qui leur ont tiré dessus, à presque 200 mètres du bar où ils étaient. Notre source habite la même colline. C'était 20h. Deux hommes sont tombés dans une embuscade. Ils venaient du bar. L'un est un commerçant qui vend des boissons et des vaches. L'autre est son voisin. Polycarte est mort sur le champ. Janvier, le commerçant, a été blessé et emmené à l'hôpital. Leurs bourreaux lui ont volé tout l'argent qu'il avait sur lui. Celui qui n'est pas commerçant est mort sur le champ. Le commerçant est blessé et est allé se faire soigner. On lui a dérobé tout l'argent qu'il avait. Les habitants de la colline Mujigo, commune Wuyengero, demandent aux administratifs de renforcer la sécurité. Les enquêtes sont déjà commencées, selon une source officielle. Des policiers et des agents du Service national de renseignement sont impliqués dans la plupart d'assassinats, d'exécutions extrajudiciaires et de tortures. C'est l'initiative pour les droits de l'homme au Burundi qui le dit dans son rapport sorti hier. Ce rapport qui concerne une année de présidence d'Evariste Ndayishimiye indique également que la campagne de lutte contre la corruption est venue plutôt voiler l'impunité de ses exactions. Danny Claire, Iratkumva. Evariste Ndayishimiye est resté radicalement silencieux face aux innombrables cas de meurtre et actes de torture commis durant la première année de sa mandature. Selon l'initiative pour les droits de l'homme au Burundi, les nombreuses déclarations du chef de l'État sur la justice et la fin de l'impunité ne s'appliquent presque jamais lorsque la police et les services secrets tuent ou torturent des présumés opposants armés ou des opposants politiques. En effet, peu de temps après que le président Ndayishimiye a nommé Ildefonso Habarurema à la tête du CNR en 2020, le président Ndayishimiye a donné le feu vert à ce dernier pour réprimer les pratiques corrompues des agents du Service national des renseignements, mais non les violations des droits humains à motivation politique, peut-on lire dans son rapport de l'IDHB. Dans un premier temps, plus de 12 agents du CNR avaient été arrêtés et étaient détenus par la police. De même, le vétéran a la réputation brutale du nom de Gérard Ndayisenga a été démis de ses fonctions au début de l'année 2021. Cet ancien chef provincial du CNR, dans plusieurs provinces citées, dans plusieurs cas d'exécution extrajudiciaire, a été démis après arrestation de 6 membres du parti CNR de la province Mwaro et dont policiers dans la plupart des corps n'ont jamais jusqu'à présent été retrouvés. Jodassin Douimana, connu sous le sobriquet de Nizabahidi, un agent du CNR,
dernière dans la commune de Mutimbudzi, province de Bujumbura, ainsi que le chauffeur de l'agent du CNR, Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu, qui avait été lié à de multiples violations des droits humains, ont également été la cible de cette soi-disant purge. Toutefois, l'IDHB trouve que ces arrestations permettent à Evariste Ndayishimiye ainsi qu'à Ile-de-France Habarurema d'utiliser la corruption comme prétexte pour renvoyer des agents du CNR utilisés comme des boucs émissaires. Plus on considère qu'il s'agit d'un double standard visant à couvrir les affaires illicites de hauts responsables gouvernementaux tels que le ministre Ndirakobucha, le premier ministre Winyoni et Prime Niyongabo, chef d'état-major de la Force de défense nationale. Cette organisation estime alors que la survie politique de Ndayishimiye dépend en partie du fait de protéger le délicat réseau de relations au sein du CNDD-FDD et de ne pas s'aliéner des personnalités politiques ou des rivaux puissants. Dans le même ordre d'idées, l'utilisation de Gervais Ndirakobucha comme leader de la campagne anticorruption s'aligne sur la conviction du CNDD-FDD selon laquelle intimider les malfaiteurs est une stratégie plus efficace que d'utiliser le système judiciaire pour leur faire rendre des comptes. Interprète cette organisation de défenseurs internationaux de droits de l'homme. L'IDHB fait savoir qu'en réalité, les vrais bourreaux des crimes d'assassinat, d'exécution extrajudiciaire et de torture n'ont jamais été inquiétés. Assurément, les autorités provinciales du CNR ont torturé ou tué régulièrement des détenus accusés de collaboration avec l'opposition armée vers la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021. De hauts responsables de la police, dont Tade Wirutegusa, l'ancien commissaire régional de la police pour la région sud, ont menacé d'affamer les habitants de la commune de Burambi dans la province de Rumonge. L'IDHB regrette également que la police ait arrêté puis abattu des Gracias Nyongabo alias Com et Prote Nyungeko. À cela s'ajoute le cas d'Egide Sindayigaya, décédé en détention en janvier 2021 après que des agents du CNR l'ont torturé, ainsi que plus d'une douzaine d'autres cas de torture depuis les élections de mai 2020. Pourtant, lors d'une discussion prononcée dans un institut de formation de la police à Bubanza le 11 juin 2021, Evariste Ndayishimiye avait implicitement fait allusion à des violations de droits humains par la police. Il a averti qu'il n'assumerait pas la responsabilité des violations qu'il commette sous son mandat. Dans notre édition ultérieure, nous vous parlerons de l'exclusion dont a été spécifiquement victime les membres du parti CNR pendant cette première année de pouvoir Ndayishimiye. Parlons coopération sans transition. L'Union européenne voudrait que les relations avec le Burundi soient comme elles étaient avant la crise de 2015. Déclaration du représentant de l'Union européenne au Burundi, c'était lors du troisième dialogue politique en vue de renormalisation des relations entre les deux parties. De son côté, le ministre burundais des Relations extérieures a souhaité la levée des sanctions économiques qui ont été prises contre le Burundi. Mais tout cela sera d'abord analysé dans un conseil des ministres des pays de l'Union européenne, un conseil qui se tiendra prochainement. Suivez plutôt Claude Bochou, c'est le représentant de l'Union européenne au Burundi. Aujourd'hui, nous avons eu un long échange sur la situation des droits de l'homme, essentiellement au Burundi, avec donc le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui avait été invité par Monsieur le ministre. Alors, nous avons évidemment, cette fois-ci comme précédemment, exprimé des attentes en matière de réforme de la gouvernance, de promotion des droits de l'homme au Burundi. Et là, nous sommes sur des valeurs commune avec le gouvernement burundais. Le président, comme vous le savez, en a fait une de ses priorités. Donc, nous avons l'impression d'être écoutés quand nous parlons ensemble de ces sujets-là et des défis que, par exemple, le ministère de la Justice rencontre au Burundi comme ailleurs, d'ailleurs. Donc voilà, c'est un moment à nouveau important dans nos relations et qui effectivement balise, continue à baliser le chemin vers la levée de la suspension de la coopération financière.
Et vous aurez aperçu que j'ai eu le plaisir d'annoncer au président de la République au début de cette semaine qu'une étape importante, une première étape nécessaire avait été franchie au sein des institutions européennes, mais qu'elle n'était pas suffisante et que ce n'était pas la décision définitive, encore que celle-ci serait prise par, comme vous l'avez dit, par le Conseil des ministres de l'Union européenne. Voilà, c'est Claude Beauchou, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. Dans un instant, nous parlons des disparités salariales qui continuent de préoccuper les enseignants. Européen. La coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, COSESONA en sigle, est inquiétée par le silence du ministère de la fonction publique, alors qu'une enveloppe de 34 milliards lui a été octroyée dans le but de redresser la politique salariale. Le président de cette coalition, Victor Ndabaniwe, a rencontré aujourd'hui la presse. Il déplore que 6 ans viennent de s'écouler sans que cette politique de correction des disparités salariales n'ait connu une moindre avancée. Suivez Victor Ndabaniwe. Pas mal de questions se posent sur ce que les fonctionnaires attendent de la politique salariale au moment où la fonction publique, ministère technique, ne fait aucun signe alors qu'une enveloppe de 34 milliards a été mise dans la loi budgétaire 2021-2022 pour cet effet. Nous tenons à vous informer qu'une somme de 5 milliards qui était prévue dans la loi des finances 2020-2021 vient de tomber en annulation alors qu'elle aurait servi de débloquer la carrière des fonctionnaires pour éviter que le gouvernement ne s'enfonce dans les alliés. Des études ont été commanditées et un document a été produit. Malheureusement, ce document tarde à être analysé malgré que le ministère de la fonction publique ne cesse de rassurer les syndicats que ce document est à la table du gouvernement depuis mars 2021. Le retard d'analyse, de promulgation et de mise en application de ce document est lourd de conséquences sur la carrière des fonctionnaires et sur le trésor public. Plus le gouvernement tarde à installer cette politique, plus les aliérés sur le déblocage administratif continue à augmenter. Le retard dans l'adoption et la mise en application de la politique salariale risque d'artener le contenu du document, comme la valeur du point emploi et l'augmentation de l'impact qui était alloué à cette politique. En vue de trouver des solutions à toutes ces inquiétudes, les syndicats, le groupe OC de la Fédération COSESONA propose de procéder au déblocage administratif de la carrière des fonctionnaires, analyser et adopter dans les plus brefs délais le document de politique salariale pour éviter de continuer à évoluer dans l'impasse et éviter que le document ne perde son sens. Victor Ndabaniwe, c'est le président de la COSESONA. Hier, nous vous parlions de la visite d'un représentant de la Banque mondiale au Burundi. Aujourd'hui, il a été accueilli par le président de la République. Après cet entretien avec Évariste Ndayishimiye, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral, Hafez Ghanem, indique qu'ils ont parlé, entre autres, des projets d'augmentation de l'énergie électrique au Burundi. Suivez Ghanem Hafez. Avec son Excellence Monsieur le Président de la République, on a parlé du programme de la Banque mondiale au Burundi et comment la Banque mondiale peut soutenir le plan de développement de Burundi. Comme vous savez, nous, la Banque mondiale, nous avons notre vocation, c'est le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Nous avons parlé de 3 grands sujets pour arriver à créer l'emploi, à transformer l'économie burundaise. Il faut, bien sûr, on a besoin d'investir dans les infrastructures. Ça, c'est le premier grand sujet que nous avons abordé. Donc, on a parlé des investissements dans l'électricité, dans l'Internet, la digitalisation et aussi dans les routes et le transport. On ne peut pas créer l'emploi, créer la richesse, si on n'investit pas dans les infrastructures. Et avec un objectif d'arriver à l'accès universel à l'électricité et à l'Internet d'ici la fin de cette décennie. C'est nécessaire pour l'emploi et pour créer les opportunités. Le deuxième grand sujet, c'est le développement du capital humain. C'est investir dans l'éducation, dans la santé, mais aussi et surtout l'autonomisation des femmes. Et l'importance de l'autonomisation des femmes burundaises pour le développement humain, pour assurer la bonne nutrition pour les enfants, lutter contre le retard de croissance.
Le troisième gros sujet qui est nécessaire, c'est aussi la bonne gouvernance économique et la gestion de la macroéconomique du pays. De son côté, le porte-parole adjoint du président de la République, Alain Diomède Nzeimana, précise que les experts des deux partis vont analyser ensemble les projets adéquats pour le Burundi. Suivez Alain Diomède Nzeimana. Vous savez qu'au Burundi, on n'a pas suffisamment d'eau courante électrique nécessaire. Je crois qu'on arrive à 11% de la population burundaise qui a accès au courant électrique. Il y a un programme de la Banque mondiale qui prévoit qu'en 2030, tout Burundais aura du courant électrique. Ils ont dit aussi que nos experts et ceux de la Banque mondiale vont discuter pour trouver une solution durable. Bref, le gouvernement et la Banque mondiale ont un objectif de renforcer la coopération et les projets qu'ils vont faire ensemble sont des projets de haut niveau et présentables. Cela dit, il existe un projet relatif à l'énergie électrique que la Banque mondiale avait accepté de financer, mais qui n'a pas encore donné des fruits escomptés. Il s'agit du projet de construction du barrage hydroélectrique de Djidji Murenge, un projet dont le financement de la Banque mondiale envisagé était de 100 millions de dollars américains. La construction proprement dite de ce barrage n'a pas encore démarré 2 ans, 8 mois après l'octroi du marché. Rendons-nous à présent à Gatumba. Les victimes des inondations de cette zone de la commune Mutimbuzi sont toujours dans des situations précaires. 2 mois après ces catastrophes naturelles, ces habitants de Gatumba font encore face à des problèmes de logement et de manque de nourriture. Le point avec Aimable Nishimwe. Les habitants de la zone Gatumba, victimes d'inondations dues au débordement de la rivière Rusizi et du lac Tanganyika, vivent dans des tentes montées sur la colline Kinyinya 1, Poto 21. Ces sinistrés disent y mener une vie difficile. Même ceux qui souhaitent retourner dans leur ménage, là où l'eau s'est déjà asséchée, ne le peuvent pas faute de moyens. Il se fait un problème de logement ici dans ce site de déplacés. Les déplacés ont des tentes qui sont déjà endommagées. Les gens y sont très nombreux. Il y a ceux qui veulent rentrer, mais ils n'en peuvent pas car leurs maisons ont été détruites et ils n'ont l'argent pour les reconstruire. Ces habitants de Gatumba sont également menacés par la faim. L'assistance monétaire qu'ils bénéficient ne leur sert pas à grand-chose. L'assistance est très minime. Il y a un montant de 30 000 que les déplacés sont en train de bénéficier pour leur ration alimentaire, mais en réalité, cet argent ne dure que le temps de l'arroser, vu comment les denrées alimentaires sont très chères. Les premières inondations dans cette zone d'Ogatumba datent du mois d'avril de l'année dernière. Au mois d'avril de cette année, en cours 2021, la même zone Gatumba a été encore une fois envahie par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi. La même situation est observée au sud du pays. Les victimes des inondations des eaux du lac Tanganyika dans les provinces Rumonge et Makamba n'ont jusqu'à présent bénéficié d'aucune aide humanitaire. La plupart sont hébergés par les amis. Ils n'ont même pas encore d'assistance alimentaire. Francine Mahoro nous en dit plus. En province Rumonge, 2217 familles ont été touchées par le débordement des eaux du lac Tanganyika dans les communes Rumonge, Bugarama et Muhuta. 1666 parmi elles ont été contraintes à quitter leur ménage. 1600 maisons ont été détruites dans les quartiers Teva, Kanyengoko et Nkayamba au chef-lieu de la province Rumonge. Dans la province Makamba, la commune Nyanzalake a été touchée par l'inondation des eaux du lac Tanganyika. Les habitants de cette commune de la province Rumonge indiquent que les victimes de cette inondation qui ont fui leur ménage n'ont pas encore bénéficié l'aide sauf de la part de l'UNICEF. Ils n'ont pas reçu d'assistance et il n'y a même pas d'information qui aura une éventuelle assistance. C'est l'UNICEF qui nous avait donné 15 kilos de riz,
5 kilos de haricots et un bidon d'huile il y a plus de 8 mois. Donc, vous comprenez que la vie est dure pour nous. Ces habitants du sud du pays indiquent qu'ils ont manqué de l'aide pour reconstruire les maisons détruites. Ce n'est pas du tout facile car même ceux qui étaient installés à l'endroit communément appelé Semina, ici à Lumongue, ont dû partir pour aller trouver l'abri chez leurs amis. Car ils n'ont pas eu d'autre assistance. Les maisons n'ont pas continué à s'écrouler. Il n'y a pas eu de nouveaux cas de déplacés. Ces habitants demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs de les venir en aide car ils se trouvent dans une extrême pauvreté et n'ont pas même pas d'abri. Nous n'avons pas pu joindre Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Lumongue, et Françoise Ngozilazana, gouverneur de la province Makamba, pour donner des éclaircissements. Cap sur Bujumbura à présent. Il s'observe un grand nombre de véhicules non immatriculés en circulation au centre-ville et dans ses environs. La plupart de ces véhicules seraient du charroi du gouvernement et en cas d'accident, il devient impossible de les retrouver. Le point avec Eric Nyonzima. La plupart de ces véhicules sans plaque circulant en mairie de Bujumbura sont des camionnettes pick-up. Les habitants de la ville révèlent que même certains véhicules de la présidence circulent sans immatriculation. Cet habitat témoigne. Bon nombre de ces véhicules sans plaque sont de la police. Un véhicule sans plaque est difficile à identifier. Il y a une personne qui a été renversée par un véhicule de la police sans plaque. Au lieu de s'arrêter, ce véhicule a continué. Vous comprenez que personne ne va identifier ce véhicule car la plaque est le premier élément permettant l'identification d'un véhicule. Donc, quand tu ne connais pas la plaque d'un véhicule, tu ne peux même pas le retrouver. Or, ayant la plaque, c'est très facile. Les habitants de Bujumbura précisent que beaucoup de ces véhicules sans plaque sont de la police. Le pire est que même en cas d'accident, ces véhicules ne s'arrêtaient pas. Notre source raconte une scène qu'il a lui-même assistée. La majorité sont des véhicules de type pick-up, certains avec des vitres teintées. Le plus étonnant, c'est que même des véhicules de la présidence circulent sans immatriculation. Il y a un minibus qui déplace les employés de la présidence. Il n'a pas de plaque, que ce soit devant ou derrière. Nous étions habitués à voir de tels véhicules à la documentation, mais pour le moment, beaucoup de véhicules de différents services n'ont pas de plaque. Je me demande pourquoi ils font ça. Les habitants de la capitale économique regrettent que les services en charge ignorent cet état de fait et de les appeler à s'impliquer suffisamment et interdire la circulation des véhicules ne portant pas de plaques d'immatriculation, ce qui facilite même leur identification en cas d'accident. Nos sources à mairie de Bujumbura indiquent que souvent même la police de roulage ne demande aucun document à ces véhicules sans plaque et qui ne s'arrête même jamais à une barrière policière. La RPA a contacté Tienhu Likie, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, mais sans succès. Les réfugiés burundais et congolais ont reçu ce matin une aide alimentaire accordée par les États-Unis, à suivre dans un instant. RPA. Plus de 5 millions de dollars américains, c'est l'aide qu'a reçue le programme alimentaire mondial au Rwanda aujourd'hui. Une aide accordée par le Bureau d'aide humanitaire de l'USAID. Cette aide permettra au PAM d'augmenter pour ce mois de juin la ration des réfugiés congolais et burundais vivant dans les camps. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Dans son communiqué de presse de jeudi 24 juillet 2021, le programme alimentaire mondial PAM du Rwanda indique avoir reçu 5,3 millions de dollars américains du Bureau d'assistance humanitaire de l'USAID. Selon son communiqué, PAM indique que cette aide sera bénéficiée par plus de 104 000 réfugiés congolais et burundais des cas du Rwanda et aura une aide alimentaire sous forme de transfert monétaire. PAM ajoute que son opération en faveur des réfugiés a été confrontée à de graves contraintes de ressources en 2021, d'où l'organisation a été obligée en mars et avril 2021 de réduire les rations alimentaires à 40%. Et Inès, représentante du PAM au Rwanda et directrice pays
et reconnaissante de la généreuse contribution du peuple américain et d'ajouter que cette aide combinée aux contributions d'autres donateurs permet aux PAM d'augmenter les ratios. Ceux qui recevaient 80% auront 92% et la catégorie qui recevait 40% auront 46% de l'assistance initiale. Le PAM Gwanda indique que l'aide alimentaire aux réfugiés est fournie sous forme de transfert d'argent pour permettre aux réfugiés d'acheter la nourriture, donner le choix s'ils veulent manger dans l'intérieur des camps ou autour des camps de réfugiés. Clôturons cette édition par le bilan santé. Le régime Ndayishimiye n'a pas encore fait de pas considérable vers la résolution des problèmes qui minent le secteur de la santé, même si le président Evariste Ndayishimiye a essayé de se montrer actif dès son accession au pouvoir il y a une année. Plusieurs de ses promesses n'ont pas encore été réalisées. Le point avec Onésime Dushimagidze. Au cours de cette première année au pouvoir, le président Evariste Ndayishimiye et son gouvernement ont pris des mesures et ont annoncé des projets visant l'amélioration des conditions d'accès aux soins de santé des Burundais. Le même gouvernement a également pris des décisions ne favorisant pas la jouissance facile et du droit aux soins de santé. Une des bonnes décisions prises est en rapport avec la lutte contre la propagation du coronavirus. Dès son accession au pouvoir, Evariste Ndayishimiye a initié une campagne de lutte contre cette pandémie. Plusieurs mesures ont été prises dans cette même optique, ce que son prédécesseur, le président Nkurunziza, n'avait pas fait malgré la propagation du virus dans les pays voisins. Toutefois, l'exécution de ce projet de lutte contre la COVID-19 n'a pas réussi comme beaucoup l'espéraient. Tant de problèmes ont empêché la réussite du projet. Il s'agit entre autres du manque de réactifs pour le dépistage, au point que beaucoup se faisaient dépister mais ne pouvaient pas avoir les résultats. Les autres passaient sur les frontières sans se faire dépister. Une négligence dans le suivi des cas positifs, le déploiement de mesures dans l'application de la mesure de mise en quarantaine des voyageurs en provenance de l'étranger. Certains d'entre eux n'attendaient pas les jours de quarantaine fixés dans le protocole national de lutte contre la pandémie, sans oublier les grognes des employés de l'équipe de dépistage qui jusqu'à présent n'ont pas encore eu la totalité de leur RDM. À part la lutte contre la COVID-19, le président Evariste Ndayishimiye a promis à la population burundaise de multiplier les hôpitaux et les centres de santé, les rapprocher à la population de façon que chaque commune soit dotée au moins d'un hôpital. Une promesse qui n'est pas encore réalisée. Le président Evariste Ndayishimiye a aussi accepté la prise en charge totale des soins des retraités de la fonction publique. Les retraités payent 20% de la facture médicale, les 80% restants étant payés par la mutuelle de la fonction publique. Le gouvernement Ndayishimiye s'est engagé à payer les 20% que les retraités payaient. Un projet qui devrait débuter avec le mois de juillet 2020, mais qui n'a toujours pas débuté. À part ce projet qui avait donné espoir au Burundi, le gouvernement Ndayishimiye a aussi pris des mesures ne favorisant pas l'accès facile aux soins de santé. Il a augmenté les tarifs de la carte médicale CAM, plus utilisée par le petit citoyen qui n'a pas accès à la mutuelle. Ces tarifs sont passés à 25 000 pour certains et 100 000 pour d'autres. Une mesure qui a été beaucoup décriée car, ne tenant pas compte de la situation de pauvreté des Burundais. Le secteur de la santé connaît depuis déjà plusieurs années un sérieux problème de manque de médicaments, surtout les spécialités. Un problème mais que le gouvernement Ndayishimiye n'est pas jusqu'ici parvenu à résoudre. Toutefois, c'est sous le régime d'Evariste Ndayishimiye que le Burundi a pu être doté d'un centre des opérations d'urgence de santé publique qui permettra une prise de décision rapide, opérationnelle et spécifique de l'événement en utilisant les meilleurs éléments disponibles en termes d'information. De façon générale, au bout de cette première année de pouvoir d'Evariste Ndayishimiye, le domaine de la santé reste l'un des secteurs du pays qui ont beaucoup de problèmes qui restent irrésolus. Ce domaine est aussi miné par une grande corruption, surtout quand il s'agit du recrutement. Voilà, c'est par ce bilan santé d'une année de présidence d'Evariste Ndayishimiye que nous mettons un point final au journal de ce 24 juin 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.